Bonjour à tous, c'est Monaco 76, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Sorare. Les stars qui sont actuellement blessées peuvent-elles reprendre de la valeur télé? Le sujet de la vidéo, je vais vous parler de 10 bons joueurs qui sont actuellement blessés. Et attention messieurs dames, dans l'espace commentaires et pour les followers, l'une de ces stars sera à gagner. Donc restez bien connectés jusqu'au bout, je vous dirai comment participer les gars en plus de l'espace com. Avant toute chose, je voulais parler et remercier le sponsor de la vidéo, les poteaux de BJR Foot, pour cette beauté de maillot de l'Inter de Milan de cette saison 2023-2024. Franchement, je me régale avec. J'ai un code promo Monaco tout simplement pour bénéficier de 15% sur tous tes achats. Je vous mets tout ça dans l'espace commentaire, les amis, pour pouvoir bénéficier de la promotion. Le numéro de téléphone si besoin sur WhatsApp si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires. Je les remercie encore pour ce très beau maillot et pour la sponsor sur la vidéo. On passe tout de suite à Sorare les amis. Let's go découvrir cette liste de joueurs fascinante. On se retrouve donc sur Sorare pour découvrir cette liste de joueurs blessés actuellement qui pourraient franchement relancer leur carrière et peut-être faire un petit bénéfice. Les amis, je ne suis pas conseiller financier. L'objectif de choper des joueurs blessés, bien évidemment, c'est de pouvoir te faire un petit billet dessus. On va étudier. J'ai fait une liste de 10 joueurs blessés. Est-ce qu'ils vont prendre de la valeur? On va regarder le prix d'avant et le prix qu'on pourrait espérer si on l'achète tout de suite. Un des joueurs est à gagner dans l'espace commentaire. Si tu as liké la vidéo et aussi si tu es follow, n'hésite pas donc à faire tout ça et peut-être que tu auras la chance de remporter un de ces joueurs. Et un autre de ces joueurs arrivera bientôt à gagner sur Twitter en plus de ça. Voilà, deux en un, vous êtes au courant. On passe maintenant à la vidéo. On va parler d'un premier joueur. On va aller tout de suite sur Sorare Data, ça sera beaucoup plus parlant. Un joueur qui est blessé depuis un petit moment maintenant. La pépite du football club de Barcelona, Gavi. Les amis, franchement, Gavi, il est blessé depuis un petit moment. Retour prévu fin de saison, donc il rejouera sûrement pour la reprise en 2024-2025. Le petit Gavi, sauf exception. Si on regarde un petit peu les tarifs de notre ami Gavi de l'époque, puisque ça fait déjà un petit moment qu'il est blessé, quand il jouait, c'était à peu près, voilà, une grosse, on va dire, les 40-50 euros. Pour notre ami Gavi, et aujourd'hui son prix il est fixé à 25 $, soit une vingtaine d'euros. Donc je suis pas très fort en mathématiques, mais voilà, si on estime le retour de Gavi très bientôt, si on prend en compte aussi l'aspect que la saison prochaine les nouvelles cartes vont prendre plus de valeur que les anciennes, là on peut acheter que des cartes qui seront anciennes mais on pourra quand même s'en servir. Je pense en toute honnêteté qu'on pourrait peut-être faire un petit billet de 10 euros je pense de plus-value sur un Gavi actuellement, parce que ça reste une valeur sûre, il a seulement 19 ans, et ça c'est une valeur à prendre en considération. Je pense qu'aussi que c'est un élément clé du jeu du football club de Barça, il est capable de faire des petits scores, il est encore très très jeune, 19 ans, franchement je pense qu'on s'en rend pas compte, on a l'impression que ça fait déjà plus de 3-4 ans qu'il joue, alors que pas du tout, seulement 19 ans notre ami Gavi, et je pense les amis, en toute honnêteté, qu'il sera à gagner dans l'espace commentaire. Voilà le Gavi, il est annoncé, un pour vous. Moi, je pense que je vais m'en prendre un aussi pour l'expérience, pour voir dans 3-4 mois, quand il va reprendre le chemin, voilà, de l'entraînement et qu'on pourra le revendre plus cher si c'est possible. Mais en tout cas, voilà, Gavi, je pense que c'était le joueur parfait pour illustrer cette vidéo. Et le second, c'est son copain qui s'est blessé récemment, l'autre talent espagnol, à savoir Pedri. Les amis, Pedri, franchement, un joueur que j'affectionne énormément, il vaut actuellement 25 $, il a seulement 21 ans, il joue souvent ailier gauche. Et en termes de prix en euros, et bah les gars, ça s'effondre puisqu'il s'est blessé récemment. Ça valait entre 40 et 60 balles. Et là, on se retrouve avec du 25 $, soit à peu près 22-23 €. Les gars, autant vous dire que ça pique. Ça fait très très mal le prix de Gavi actuel. Mais je pense en toute honnêteté qu'on peut espérer une plus-value sur un Gavi lorsqu'il viendra. Je pense qu'il va rejouer que la saison prochaine. Hein.
Même si c'est annoncé là 22-04, franchement j'ai peu d'espoir pour lui. Je pense que ça va être très dur. Il ne faut pas non plus qu'il se blesse. Je rappelle qu'il y a l'Euro également. Nouveau système de jeu sur Sora. Voilà, je pense qu'on pourrait attendre un petit peu avant de le remettre en route de la part du FCB. Ça peut être une idée en tout cas, je pense. Et là du coup, vous voyez bien, 20 balles. Je pense en toute honnêteté qu'on peut tirer un minima. Un petit billet de 10, un petit billet de 20 peut-être sur ce joueur. Quand il reviendra en pleine forme, peut-être pourquoi pas l'Euro, parce que l'Euro sera couvert par Sora, et ça peut être aussi un événement déclencheur. Un troisième joueur, les gars, c'est moins une star, je trouve, mais j'affectionne beaucoup ce joueur, c'est Jérémy Pino de Villarreal. Saison terminée pour lui, seulement 21 ans, je pense franchement qu'il pourrait exploser à l'avenir. Malheureusement, la blessure l'a freiné. Il ne fait pas non plus des gros scores du côté de Villarreal, mais il est capable de faire de temps en temps la différence, comme tu peux voir sur sa map. De temps en temps, il y a des petits scores sympas. Il vaut 4,85$, à savoir 3-4 euros. Et auparavant, lorsqu'il était chaud, on va pas se mentir, on va remonter un petit peu l'an dernier. On va aller jusqu'au mois d'octobre. Combien il valait au mois d'octobre? En euros, c'était à peu près 15. Ouais, une quinzaine d'euros. Actuellement, il en vaut 3. Donc je pense que tu peux te faire une petite plus-value de 4-5 euros dessus lorsqu'il va revenir de sa blessure. Jérémy Pino, c'était obligé pour moi de vous en parler. C'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas de petite plus-value. Et c'est potentiellement réalisable. On va partir, les gars, en Amérique latine. Du côté de Ezequiel Zeballos du CA Boca Junior. Lui qui est blessé. Est-ce qu'une plus-value est possible? Retour en 30 juin 2024 estimé. Il vaut actuellement 4$. Et auparavant, donc si on remonte un petit peu, on va remonter un petit peu jusqu'à octobre pour voir un petit peu le prix. Ça fait beaucoup de petits peu, désolé. Il se vendait ouais, 6-8 euros. Là, il est à 3,50 euros. Ouais, tu peux te faire 1 euro ou 2, mais c'est pas le premier choix, on va dire, vers qui j'irai. Mais Ezequiel Zeballos, joueur de talent du côté du Boca Junior, je pense qu'il va vite débarquer en Europe. Un jour ou l'autre, Ezequiel Zeballos, si tu as un petit budget, ça peut se faire une petite plus-value, mais je pense pas que tu vas devenir riche, entre guillemets, avec celle-ci. Autre joueur blessé que j'affectionne énormément, Jack Grealish de Manchester City. Le joueur malheureux, franchement, cette saison, il a vraiment pas de bol. Il vaut actuellement 8-9 euros. Et en pleine bourre, franchement, c'était un peu mieux. Je pense que c'était une bonne vingtaine d'euros. On va remonter ça, on va découvrir ça ensemble. Le 1er novembre, combien valait-il? Ouais, un peu plus de 20 euros. Un peu plus de 20 euros, je pense que 20 balles, c'est son prix. Actuellement, il était divisé par 50%. Jack Grealish, retour prévu, on ne sait pas encore. Malheureusement, 28 ans, ailier gauche. Je pense qu'il a encore de belles années de football devant lui. Et là, je ne serais pas étonné à avoir une petite plus-value de 10 balles. Et pour les plus fortunés, je vois qu'en rare, il a 79$. Autant te dire, je pense que là, tu peux faire encore une plus belle plus-value dessus en rare. Après, voilà, ce sont des estimations, je ne suis pas conseillé. C'est un petit pari que je me suis donné aujourd'hui dans cette vidéo et je prends énormément de plaisir à vous en parler. Donc, Jack Grealish, voilà, je pense qu'il y a moyen de se faire un petit billet dessus. Autre joueur, gardien de but du Temple, Courtois. Attention, il y avait des rumeurs, il me semble, du côté de l'Arabie Saoudite. Est-ce que Thibaut Courtois va y aller? Il vaut actuellement 88$. Quand on compare un peu à des goals du Manchester City qui sont tous à plus de 100 euros, je pense, les gars, là, il est blessé. Retour prévu le 1er mai. J'ai vu qu'il avait repris le chemin de l'entraînement. Il y a l'Euro aussi à la fin. Voilà, gardien du Temple. 31 ans, il a encore 2-3 saisons solides s'il rêve du côté du Real Madrid. Je lui souhaite en tout cas. Et niveau prix, si on regarde en euros actuellement, je pense que ça n'a pas trop baissé. Au contraire, ça va peut-être remonter. Là, si on revient un petit peu en arrière, il a toujours valu à peu près 60 euros. Et là, aujourd'hui, il se revend presque 100 balles. Donc là, c'est pas forcément une bonne affaire. Je ne le conseillerais pas forcément. Mais après, si tu le chopes à 80 euros, tu arrives à négocier. Peut-être que tu peux faire un petit truc. Parce que, en général, les grands gardiens des clubs phares, c'est quand même 100 euros. Même si le jeu sera quand même descendu en termes de prix. Je pense que Thibaut Courtois, il y a moyen d'aller chercher un petit truc. Un défenseur aussi solide du côté du Real. Je vous parle pas de... Comment s'appelle-t-il ? Militao, parce que Militao, les gars, il a déjà pris beaucoup de valeur. J'ai regardé, ça vaut pas forcément le coup. Mais Alaba, retour le 1er août, je pense qu'Alaba, ça vaut pas très cher. C'est combien?
5 euros à peu près, puisque c'est à 6 dollars. Si on regarde un peu son échelle de prix à l'époque, avant sa blessure, c'est ça qui est intéressant. On pouvait l'avoir entre une quinzaine et vingtaine d'euros. Là, il vaut 5 euros. Il a 31 ans là-bas. Il était encore capable de faire quelques scores sympas du côté du Real Madrid. Je pense là, par contre, qu'il y a potentiellement, moyen de faire une petite plus-value sur David Alaba, les amis. On va continuer avec un autre joueur que j'adore, Sandro Tonali de Newcastle, qui est blessé également. Date, on n'a pas encore de date, les gars, il vaut 10 dollars, à peu près 8-9 euros. Si on regarde un peu le prix, les prix, on va remonter jusqu'en octobre en euros. Et là, on voit bien que depuis sa blessure, il a chuté. Plus de moins 50%, 25 euros à peu près à l'époque, 20-25 euros. Je pense là, par contre, il y a moyen avec Sandro Tonali de se faire un petit billet sur le joueur de Newcastle, qui est vraiment un joueur superbe, et d'autant plus qu'il a que 23 ans. Que 23 ans pour Sandro Tonali, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, les gars, dans l'espace commentaire, à partager un peu vos retours. Mais là, je pense qu'on peut tenir une potentielle plus-value avec Sandro Tonali. Un joueur aussi que j'affectionne et qui s'est blessé et qui a déjà chuté en termes de prix, c'est Verman, les gars. Joey Verman, il me semble qu'on n'a pas de date exacte de son retour. Ah, quoique, jusqu'au 18 mars, donc ça voudrait dire qu'il reviendrait la semaine prochaine. Il vaut 68 dollars, à peu près 60 euros. Attention, je dis bien attention, puisque les prix ont chuté suite à la mise à jour de Sorare. Mais les scores sont exceptionnels. Et avant ça, je crois que ça valait un bon billet de 100 balles. Donc là, ça serait un pari un peu plus risqué. Après, du côté du PSV, à 25 ans, je pense qu'il y a potentiellement, d'un point de vue sportif, quelque chose à réaliser en termes de prix, puisqu'il ne me semble pas hyper cher. N'hésitez pas à me donner votre retour dessus. Mais il me semble que, voilà, si je regarde en janvier, après vous allez me dire, oui, mais c'était avant la mise à jour, et je suis d'accord avec vous, peut-être que ça joue aussi dans la chute des prix. Il était à peu près entre 80 et 100 balles. Et là, il a quand même perdu une quinzaine, vingtaine d'euros. Donc je pense que son retour pourra vous apporter peut-être un petit plus 5, un petit plus 10, je sais pas. N'hésitez pas à me dire votre retour. Et enfin, vu que je suis fan quand même de l'AS Monaco, même si j'ai un très très beau maillot grâce à BGR Foot de l'Inter de Milan, deux joueurs peuvent revenir et prendre de la valeur. Pour moi, c'est Mbolo, Brill Mbolo, qui va revenir avec la Suisse pendant l'Euro. Je rappelle, l'année prochaine, on ne devrait pas garder Ben Yedder. Et je pense que Mbolo, Balogun, ça va être la paire d'attaquants. Et là, on peut se régaler. 4,85$, les amis. Lorsqu'il jouait, franchement, il est capable de faire des scores. Il n'a pas joué depuis un petit moment, d'ailleurs. C'est bon à savoir parce que ça rappelle. Mais c'est vraiment un serial buteur. Il n'a que 27 ans. Il a encore 3-4 grosses saisons devant lui, je pense, l'année prochaine. Ça peut être sa révélation. Là, après, c'est un pari, entre guillemets. On va pas se mentir, c'est un vrai pari. Si on remonte en arrière pour voir un peu les dates et le prix en euros, combien valait-il à l'époque? Là, je suis remonté au 31 octobre. En termes d'euros, ouais, c'était 6-7 euros. Là, il est à 3 euros, les gars. Peut-être en rare, faire un petit coup ici avec 52 dollars. Ça peut être une piste. Mais en tout cas, Brill Mbolo, je pense que ça peut être une révélation. En termes de saison prochaine sportive, mais aussi en termes de prix, parce que ça peut monter très vite. Ensuite, il y a Caio Henrique qui va bientôt revenir. J'ai vu ça, qu'il avait repris l'entraînement. Caio Henrique, aujourd'hui, c'est, les gars, c'est 2,2 dollars pour notre meilleur latéral de l'époque. Et lui, franchement, il faisait les corners, il prend les coups de pied, donc ça, c'est intéressant. Caio Henrique, les gars, je pense que si vous voulez anticiper un petit peu, il y a peut-être moyen de se faire un petit billet avec Caio. 3,64 dollars. Je suis un peu étonné, je vous avoue. Je pensais que c'était un peu plus que ça. Et donc, si on va remonter un petit peu en termes de prix, au mois d'octobre, il est à combien? Il est à 8 balles. Ouais, c'est pas non plus exceptionnel. Tu vois, je m'attendais un petit peu plus, je t'avoue. Et au mois d'août, il était plus cher que ça, une vingtaine d'euros. Ouais. Mais là, je pense, par contre, tu peux tenir un futur titulaire en puissance, parce que Caillou, il est très important. Il a que 26 ans. Pourquoi pas aussi le tenter en rare? En rare, il a 31 dollars, les amis. Donc voilà, d'avoir fait un petit peu le tour de ces joueurs blessés qui peuvent prendre un petit peu de valeur si l'avenir leur réserve de potentielles bonnes surprises. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes vraiment des petits nounours. Je vous remercie à tous encore une fois d'être aussi présents. Ça fait toujours autant plaisir. Pour rappel, les gars, pour participer au jeu concours, le petit pouce
le commentaire et le follow. C'est très important. Réponse dans la prochaine vidéo Sora pour savoir qui a remporté ce GOAT actuellement blessé. Je vous fais des bisous à tous et à très vite pour de nouvelles aventures sur Sora.